Bonjour mes Gémeaux, c'est Nati, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous envoie de puissantes et de belles énergies. Mes loulous d'amour, vous m'avez manqué. Alors, j'ai eu un commentaire comme quoi que il n'y avait pas la vidéo des Gémeaux Mars. C'est vrai, il m'en reste 5. Alors, j'ai plus la petite feuille. Il m'en reste 5 pour le mois de mars entier. Donc, j'ai du retard, excusez-moi. J'ai eu beaucoup de consultations, tant mieux, j'ai pas à me plaindre. Et donc, et d'autres choses à faire, hein, d'accord, j'ai la comptabilité, ma comptabilité. Donc en fait, voilà, je fais de mon mieux, mes chéris, on va pas se plaindre en tout cas. Alors, mais là, ce que je vais faire, et d'ailleurs, je vous fais cette vidéo pour la semaine du lundi 7 mars au 13 mars, dimanche 13 mars. Et donc, vous allez être en premier aussi également tout à l'heure dans la nuit, enfin dans la nuit, certainement tard dans, dans la soirée. Je vais enregistrer en premier la vidéo des Gémeaux pour le mois entier de mars, d'accord? Donc, il en reste 5 signes. Donc là, on se concentre, ça va être pour cette semaine du 7 au 13 mars. D'accord, mes chéris d'amour? Voilà, parce que après, en tout, j'ai 15 vidéos à faire aujourd'hui. Je vais essayer de tout faire en tout cas. Voilà. Donc, on y va. Je tenais à remercier les personnes que j'ai eues en consultation téléphonique parce que j'ai eu des Gémeaux. Merci également pour les personnes à qui j'ai effectué des soins. Merci pour vos likes, mes chéris d'amour. Vous savez que ça me fait du bien. Merci énormément. En tant qu'être humain, écoutez, ça me booste. Et puis, c'est pas que ça. C'est qu'il y a un algorithme au niveau de YouTube. Et mes vidéos, elles sont mieux positionnées et plus publiées. Enfin, c'est tout un truc. Pour YouTube, tout compte, hein, d'accord? Donc, merci pour votre générosité, vos pouces en l'air. Merci également pour vos messages, vos commentaires, mes chéris, vos messages de soutien, vos messages d'amour. Merci à mes abonnés, j'espère que mes abonnés vont bien. Là, je vous offre, il y a un petit Bouddha, une déesse. Donc, j'ai fait l'acquisition de ces statuettes, je les trouve magnifiques. En plus, elles sont dans l'air du temps. Au niveau de la couleur, c'est très printanier, d'accord? Et je vous souhaite de tout mon cœur qu'elles vous portent chance, là, maintenant que vous les regardez, et qu'elles vous protègent, mes amis, vous et vos proches. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai rien oublié. Là, voilà, on me demande souvent mon mail. Donc, il est en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Mais là, je l'ai écrit. Voilà, comme ça, vous pouvez recopier ou revenir sur la vidéo pour le recopier. Je vais le pousser vers le bas pour me faire de la place. Je ne sais pas si vous le voyez toujours. Mais en tout cas, voilà, là, j'ai besoin de place. Alors, comme tous les signes, il n'y a pas de raison. C'est un petit ballot de sauge, d'accord? Donc, pour enlever, les mauvaises énergies. Excusez-moi, j'étais en train de prier, faire mes demandes. J'invoque. Voilà. Et comme ça, ça enlève les mauvaises énergies et on accueille les bonnes énergies. Bonnes énergies puissantes. Allez, ici, ça va être au niveau de votre foyer de vie, d'accord? Les amis et la famille proche, les enfants si on en a. Et si vous êtes célibataire, eh bien, vous et votre foyer de vie et comment vous sentez intérieurement. Sinon, ici, ça va être le professionnel, puis le financier. Enfin, oui, le financier, le domaine financier. Et là, le sentimental, mes chéris. Allez. Allez, mes Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour mes Gémeaux? Merci. Donc, Gémeaux solaire, lunaire, ascendant, descendant, Vénus, hein, d'accord? Alors, c'est un tirage général. Prenez que ce qui vous parle, hein, mes chéris. Et si ça ne vous parle pas, c'est que ça sera dans une autre vidéo.
D'accord. Dans une autre vidéo, soit antérieure ou alors une prochaine vidéo, mes loulous d'amour. J'espère que ça va parler au... Ah, je l'ai eu à l'envers, je la laisse à l'envers. Ok, je voudrais une autre carte, s'il vous plaît. Mes guides. Ok. Waouh, il y a de la dispute dans l'air pour certains et certaines, mais je reviendrai après du côté sentimental, d'accord? Il y a des désaccords en tout cas, il y a de la tension. Alors, ici, on a l'ermite, vous êtes en introspection pour certains et certaines, vous consacrez du temps à la réflexion, d'accord? Mais, donc on est un peu isolé, on pense beaucoup. Il y a un travail magnifique de fait, et continuez, hein, parce que, en fait, ça va payer, mes chéris. Il y en a pour certains et certaines. D'abord, vous vous consacrez du temps pour vous, d'accord, aussi également. Et puis, on a besoin de calme, de repos, de réfléchir aussi, hein, d'accord. Il y en a qui essayent de trouver une solution, qu'on me dit, et puis d'autres, bah, ils ne vont pas très bien. Mais on va regarder un peu plus loin. Alors, peut-être qu'on s'isole, ouais, il y a l'enfermement qui ressort, d'accord, par rapport à la famille. Alors, c'est possible que on n'est pas d'accord avec la famille, d'accord, ou nos proches, hein, ou alors la famille, elle vous épaule, d'accord, elle vous soutient, d'accord, pour certains et certaines. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, il y en a pour certains et certaines. Vous préparez un voyage, un week-end, un déplacement pour voir de la famille ou des amis proches, mais très proches. Hein. Ici, on est en train de réfléchir aussi pour s'élever, pour évoluer, d'accord? C'est comme si vous réfléchissez. Il y en a certains et certaines, peut-être vous travaillez de la maison ou avec l'international pour d'autres, et vous réfléchissez de planifier, de mettre sur plan des choses, ou alors des stratégies, vous voyez. Mais en tout cas, on s'élève, on va vers l'élévation, d'accord? On va vers la victoire, le succès, hein? Voilà, il y en a pour certains et certaines, vous mettez fin, vous ne partez pas en voyage, d'accord? Vous le reportez ou alors vous l'annulez. Et pour d'autres, vous mettez fin à cet enfermement. Ça, c'est bien, hein? C'est très bien. Ah, ok, on met fin à la trahison. Donc, il y en a pour certains et certaines, vous êtes déçus d'une personne. Alors, comme ici, c'est le foyer de vie, vous renfermez, vous réfléchissez beaucoup, il y a eu une trahison. De la part de qui? Ça peut être sentimental, au niveau du professionnel, ça peut être la famille, ça peut être également dans l'amitié. D'accord? À voir, mes chéris. En tout cas, on va mettre fin à cette trahison. On va mettre fin à... Ici, j'ai par rapport à la trahison d'un homme. D'accord? On met fin. Il y a une rupture qui se fait. D'accord, par rapport à un homme pour certains et certaines. Donc, tout ce que j'ai dit auparavant, c'est valable, on est bien d'accord. Mais là, je continue, hein, je vais plus loin. Hein. Et donc, on met fin. Il y a la rupture, mais j'ai une personne qui va mettre au monde un enfant ou alors une grossesse. Et il y a des... Peut-être pas des disputes, ou peut-être, je ne sais pas, mais vis-à-vis de l'homme, il n'a pas l'air d'accord pour cette grossesse, ou alors il n'est pas enthousiaste de la venue de cet enfant ou d'apprendre que vous êtes enceinte, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, c'est particulier. Mais on va regarder un peu plus loin, s'il vous plaît. Est-ce que ça va s'arranger, tout ça? Et puis pour d'autres, il y a grossesse-naissance, d'accord? Bon, vous êtes soutenu, en tout cas, d'accord? Et puis pour d'autres, il y a une histoire aussi de... Il y a une histoire de projet ici, de projet. Peut-être que votre autre, d'accord, on va dire votre autre, a un projet. Et donc, il vous en parle et tout. Et vous n'êtes pas très chaude pour ce projet, mais... Et après, bon, ben, ici, il y a le soutien quand même de l'amitié, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on veut bien me répondre par rapport à cette grossesse ou cette naissance?
comment ça va se passer? Bah, l'enfant, hein, d'accord, mais l'enfant, d'accord, l'enfant, la joie, hein, le bonheur, la joie, la projection. Alors, donc, oui, alors, il y a un papa, voilà, il y a un papa qui a du mal à se projeter. Donc, c'est soit une grossesse qui vient d'apprendre que son autre est enceinte, hein, ou alors, il y a la naissance déjà de l'enfant et il a du mal à comment dire, à se projeter, de, voilà. Mais bon, il va bien falloir, hein, d'accord. Alors... qu'est-ce que ça me dit? Contrat. Bon, là, ça me répond plus pour ce nouveau projet, puisque aussi l'enfant, c'est la nouveauté, d'accord? Et puis, c'est l'envol aussi, hein, par rapport à ce projet, par rapport à un contrat. Alors, ça peut être nouveau projet. Alors, ça peut être qu'on discute d'une nouvelle voie, d'accord, professionnelle et qui ressort dans le lieu de vie, hein, dans cette partie-là, c'est normal, dans votre lieu de vie, et qu'on en discute, ou bien vous discutez de se lancer à votre propre compte, d'accord, peut-être même ensemble ou seul, mais en tout cas, ici, il y a le contrat. Le contrat, ça peut être, donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être justement pour un contrat, on signe un contrat. Un contrat, ça peut vouloir dire le bail aussi, un projet de déménagement, d'accord? Ou alors on achète ou on vend un bien. Ou alors ça peut vouloir dire on change de voie. Comment? Eh bien, par un emploi, on trouve cet emploi dans cette voie et on signe un contrat. Ou ça peut vouloir dire aussi que, eh bien, on se lance à son propre compte et là, il y a des papiers à faire en ligne, hein, en ligne, mais après, vous attendez des documents qui viennent par la poste, vous envoyez s'il faut des choses. Mais en tout cas, on a des contrats, voilà. Il y en a, on me dit, pour certains et certaines, vous projetez quelque chose par rapport au bien. Ça peut être rénovation, si vous êtes en appartement ou maison ou un local, je ne sais pas, mais on me parle de rénovation, d'accord? De travaux, rénovation et de travaux. On va regarder maintenant au niveau du professionnel. Ok, il y en a qui travaillent de la maison, d'accord. Il y en a qui sont, ils sont en télétravail, mais d'autres, vous travaillez de votre maison, vous êtes à votre compte, d'accord, mes Gémeaux. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, s'il vous plaît? Vous êtes déterminé, voilà. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on a le fou. Oh là là, vous avez la baraka, vous avez la chance, mais tant mieux. Oh, je suis contente. Moi, qu'est-ce que ça me fait plaisir quand ça va pour mes signes. Donc, ici, vous êtes déterminé au niveau de l'emploi, au niveau du travail. Vous vous sentez bien. Vous êtes dans l'action et vous voulez remporter quelque chose. Vous voulez réussir à tout prix quelque chose, en tout cas. Et sinon, pour d'autres... il y en a qui sont déjà à leur compte et d'autres qui vont se lancer, d'accord? Et c'est une chance. Il va y avoir une période de chance, d'abondance, mes chéris, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mes chéris. Hein. Et la chance, vous savez ce que je dis, la chance, elle s'attrape au vol puisque elle reste pas tout le temps. Hein. Elle nous visite. Hein. Oui, merci. Oui, il y a la chance pour le travail. Peu importe que vous êtes employé, que vous êtes fonctionnaire, que vous êtes à la recherche d'un emploi, que vous êtes à votre compte ou que vous allez être à votre compte, c'est une chance, d'accord? Et ici, on a pour certains et certaines, attendez-vous à des entretiens, mes chéris, préparez-vous, parce que vous avez certainement, comment dire, postulé et en fait, on va vous appeler. Donc, préparez-vous, comme ça, je vous le dis, vous vous préparez et d'autres, vous allez, vous ne le savez pas encore, vous allez postuler, d'accord, à un poste, hein, par rapport à une annonce ou voilà, on va vous en parler, ça va venir à votre oreille. Et en fait, si vous, en tout cas, on est dans l'action ici, même pour ceux qui recherchent un emploi, hein, coûte que coûte, ils veulent le trouver, ils vont le trouver, hein, il y a la chance avec vous. Hein. Et donc, si vous préférez ici... le travail, il sera pour vous. En tout cas, il y a beaucoup de chances ici pour qu'il soit pour vous. Et pour d'autres personnes, vous travaillez, il y a beaucoup de travail, on ne compte pas ses heures ici. Hein, d'accord?
On a la chance sur le travail. Hein. Retenez ça, c'est pas pour rien. Hein. Bon, j'en ai trop. Une carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour mes Gémeaux. Mes Gémeaux, vous m'avez manqué. Victoire. Ah, on a la victoire. Ici, je ne comprendrais pas que vous remportez pas ce poste, d'accord? Ce travail. Moi, ici, j'ai la victoire. Sur les gens qui recherchent un travail, ils vont être victorieux. Alors, j'espère que ça va parler, parce que je le fais pour la France et le monde entier, hein, d'accord? J'espère que ça va parler un maximum de mes Gémeaux. Mes chéris, vous cherchez un travail. Pour ceux qui envoient des CV, qui postent, enfin, qui, voilà, vous me comprenez. En fait, et le jour que vous avez l'entretien, vous, ce que vous faites, vous vous préparez, vous vous présentez correctement comme il se doit, vous répondez aux questions, vous vous préparez à l'avance, vous donnez votre maximum et vous dites le reste, c'est l'univers qui le fait, d'accord? Mais vous, vous donnez votre maximum, vous le faites ce jour-là, vous vous concentrez sur le présent. Le jour où vous avez l'entretien, vous êtes dedans à fond, à 100%, vous donnez votre max et vous demandez à l'univers de faire le reste. D'accord? Mais ici, j'ai la victoire. Il y en a qui vont aimer, hein. J'ai les roses, c'est l'amour. Hein. Il y en a qui vont aimer leur emploi. Hein. Et il y en a qui sont déjà dans une voie qui leur corresponde. Et d'autres, non. Ils vont changer de voie, d'accord? Et il y en a qui vont se réaliser ici. Bon, vous avez la victoire aussi pour justement les paroles. Ça peut être justement l'entretien, vous voyez. Il y en a pour certains et certaines, il y a des candidatons, il y a des... Bon, ici, on me dit, ça parle au clé, mais vous aurez la victoire dessus. Bah, d'abord, on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, il y a toujours, il y a des affinités, vous le savez très bien, dans les groupes. Donc, avec nos collègues, avec... Bon, moi, je n'ai pas de collègues, mais je veux dire, quand j'ai travaillé auparavant... entre autres pour le gouvernement, peu importe, mais je veux dire, on était une équipe, en plus nous on était une équipe pluridisciplinaire, mais avec beaucoup de femmes, hein. C'est pas évident, les femmes, vous le savez comment on est, et donc ça se tirait dans les pattes et tout, bon, moi c'est vrai que je me mélangeais pas là-dedans, je faisais mon taf, voilà, le matin, je déjeunais, je leur disais, j'ai pas que ça à faire, j'ai faim, je m'en vais déjeuner, prendre mon petit déjeuner, je vous laisse, hop. Et puis, moi, je faisais mon taf et tout, et après, je tirais mon rideau. Par contre, mon rideau de fer, hop, je rentrais chez moi, j'y pensais plus. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours fait mon taf à 100%, et valait mieux, hein, parce que moi, j'ai travaillé pour les enfants, mais pas que. Hein. Et je parle de là, ça me fait penser quand je travaillais avec les enfants. Dans ce cadre-là, hein, pour cette structure, mais voilà quoi, enfin bon, bref. Les femmes, oui, je le sens ici, il y a des... C'est pas dit que les femmes, hein, des fois, il y a des hommes, ils sont pires que les femmes, hein, on est bien d'accord, hein, mais voilà, toujours est-il qu'il y aura des paroles, mais il y aura victoire dessus, et en fait, ça va s'arrêter, d'accord? Ah voilà, c'est la médisance, la jalousie, vous comprenez? Ouais, il y aura la paix, la tranquillité. Waouh! Il y aura la victoire, la paix dessus et la tranquillité, ça va s'arrêter, mes loulous d'amour. Donc ensuite, bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Ensuite, ici aussi, on a la victoire, on a des discussions, d'accord? On échange et puis ici, après, on est tranquille, on est en paix. On est... ça va fleurir aussi. On va être posé, on va être bien. Il y a une belle période ici au niveau de l'emploi. On va être posé, on va s'ouvrir comme ce lotus, vous voyez, mes chéris. Et derrière, il a un soleil, d'accord? C'est magnifique. Bon, on continue pour... Alors, financièrement, il y a un choix à faire, mes chéris. Ici, il va falloir gérer un petit peu mieux ses comptes, mais tout augmente, vous allez me dire. Hein, même pour moi, hein, c'est comme ça la vie. Et puis, il va falloir faire des économies, qu'on me dit de vous le dire. Sinon, on attend de l'argent de l'étranger, à distance. Peut-être pas de l'étranger, peut-être d'une autre région. Mais en tout cas, on nous envoie de l'argent ici. Et d'autres, à l'inverse, vous envoyez de l'argent, d'accord? Après, j'ai quoi? J'ai ici... J'ai l'harmonie aussi au niveau... C'est le 6, hein, moi je regarde un petit peu, c'est le 6. Hein. Oui, oui, d'accord.
C'est le 6, d'accord. Je vais leur dire. Ok, yes. Bah, c'est bon, ça. En fait, c'est le 6 de l'harmonie. Donc, on va mettre un petit peu d'harmonie, hein, d'équilibrage. Il y en a qui vont faire appel à moi. D'équilibre au niveau des finances, d'accord. Et sinon, vous allez voir clair, en fait, par rapport à votre situation financière. Et il y en a certains, vous faites des économies, vous placez de l'argent. Vous allez décider de placer de l'argent pour un projet, pour quelque chose. Il y en a d'autres, bah oui, on connaît, hein, les factures. Les factures, elles sont toujours là, hein, de toute façon, tous les mois. C'est comme ça. Mais après, on a de l'eau, bah, on paye l'eau. Voilà, on a de l'eau. Je sais que ça coûte cher, mais c'est comme ça. Que voulez-vous? Dans d'autres pays, ils n'ont pas d'eau. Donc, on ne va pas non plus se plaindre, on est bien d'accord. L'électricité, on l'a. Le chauffage, pour certains, ils n'en ont pas, hein, d'accord. Oui, oui, oui. Bon, alors ici, on me parle, alors c'est ça. On me parle ici que vous avez un examen. Peut-être que c'est une formation et ou alors un permis de conduire parce qu'il est question des finances. Alors, on utilise une somme pour peut-être s'offrir une formation à distance ou peut-être une formation où... Ou alors, on a de l'argent qui rentre au niveau de l'apprentissage aussi pour certains et certaines. Si vous êtes en alternance, par exemple, moitié école, moitié, enfin peut-être pas moitié-moitié, mais admettons exemple, 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Mais en tout cas, ici, on avance clairement et puis on a peut-être pour un permis de conduire, quelque chose comme ça, mais vous mettez de l'argent et votre vie, elle s'éclaircit. En tout cas, on a un éclaircissement financier. Ça va aller de mieux en mieux. On a un rêve, on a un objectif. Ici, on a un projet et on met de l'argent de côté, d'accord? Il y en a qui rêvent de l'argent d'une certaine somme parce qu'ils ont des dettes, voilà. Question de temps, on va voir le temps. Qu'est-ce qu'on prend? Oh, ben non, il y en a trop. Il y en a trop, vraiment. Et puis, il y en a une par terre. Bon, celle de par terre, je la prends. Vous aurez rendez-vous avec votre conseiller de banque. En tout cas, quelque chose comme ça, un rendez-vous et on va parler des finances. D'accord? On va voir après. Je voudrais une autre carte, s'il vous plaît. Et après, on va passer au sentimental, mes loulous. En tout cas, il y a des réunions ici. Hein. Des réunions, ça peut être aussi, comment dire, en visioconférence, vous voyez, mais on parle d'argent et on va remporter aussi, qu'on me dit, un contrat. Et ça nous pèse, hein. Un contrat. On va réussir. Mais il est question d'argent dans ce jeu par rapport à ce contrat. Hein. On va réussir les négociations, vous voyez. Et pour d'autres, vous êtes en instance de divorce ou de séparation. Ça prend du retard. Hein. C'est pour ça qu'il y avait le temps. Ça confirme. Excusez-moi. Ouais, il y a des actions de justice et donc en fait on se protège des accusations. Donc on se protège comment? On téléphone à son avocat, avocate et on met un plan d'action. D'accord? Merci. Ouais, et sinon par rapport à l'amour, il y en a qui aiment beaucoup l'argent, ben voilà, hein, c'est comme ça. Et puis, l'argent vous rend bien, c'est-à-dire, en fait, vous avez la chance au niveau de l'argent. Si l'argent circule bien, c'est ça que je veux dire. Et sinon, ici, sinon, il y a des séparations. Mais il y a encore de l'amour d'un côté, ou du vôtre, ou de l'autre. Mais il y a de l'amour, mais en fait, on est en séparation ici, hein, d'accord? On se sent en échec. Hein. Alors, sentimentalement parlant, bah, je vais les prendre puisqu'il y en a deux. Ouais, il y a des décisions à prendre importantes. Ici, n'allez pas trop vite qu'on me dit. Après, si vous êtes décidé, vous êtes décidé. Mais ici, il y a des désaccords, d'accord? Il y a des désaccords et puis des disputes, de la tension ici qu'on me dit. On en veut à la personne pour quelque chose, d'accord? Et sinon, j'en ai d'autres que... Écoutez, au niveau de la sexualité, ça va très bien. D'accord, il y a beaucoup, enfin, il y a les plaisirs, c'est charnel, ça se passe bien, on s'offre des cadeaux, d'accord. Et il y a l'univers qui s'en... Il intervient, donc il y aura des rencontres, je pense. Hein. On va voir.
On attend un verdict par rapport, je vous disais, hein, il y a un compromis. On va le trouver, le compromis. Je vous disais, hein, ça ressortait financier, sentimental, bah forcément, parce que pour certains et certaines, pas tout le monde, hein, mais quand vous vous séparez, quand vous divorcez, il y a des choses à séparer. Hein. Ou alors, même, on n'arrive pas jusqu'à la justice. Hein. Des fois, il y a en tout cas, il y a un accord de trouver, il y a une ouverture. Il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Pour certains et certaines, vous avez une distance, vous avez une relation à distance. Et il y a l'argent, hein, qui se mélange, hein, toujours. Hein. L'argent. L'argent. Il y a une histoire de séparation. Et d'autres, en fait, vous faites fructifier de l'argent ensemble. Peut-être vous travaillez ensemble, d'accord? Ici, il y a beaucoup de correspondances, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un miroir magnétique en dodec, je le pose. Miroir magnétique, ça veut dire vous attirer. En tout cas, il y a une période de chance, il y a une période où vous attirez. Et ici, en fait, si vous préférez, il y en a pour certains et certaines, ça se passe bien. C'est peut-être le début aussi, on correspond, on échange, d'accord? Et pour d'autres, par le biais, par exemple, des réseaux, ou des SMS qu'on me dit, ou même téléphoniques, hein, des échanges téléphoniques. Et en fait, on est fort attiré l'un vers l'autre, d'accord? Et peut-être que vous êtes à distance, c'est possible pour certains, et d'autres non, hein, c'est que vous ne vivez pas ensemble, ou peut-être vous avez démarré ou pas, mais on est à distance, on me dit. Et on me dit ici, il y a des personnes, vous vivez avec quelqu'un, mais il y a des échanges avec une autre personne, d'accord? Et on est fort attiré, qu'on me dit. Bon, ensuite, les Gémeaux. Ouais, je vous avais dit, hein, en vérité, et ici j'ai l'illusion. En vérité, ici, il y en a certains et certaines, ils avaient l'impression d'être éteintes, et en fait, il y a le regain, vous voyez, on renaît parce qu'on est en train de correspondre, on voit une personne pour certains et certaines, d'autres, vous correspondez beaucoup, en tout cas, à beaucoup de contacts, d'échanges, d'accord? Et en fait, ça vous fait du bien, ça vous fait du bien, on refleurit, vous voyez cette rose ici, il n'y a rien, hein, qui pousse, il n'y a qu'elle, hein. Et en fait, c'est la vie, ça, voilà, le miracle de la vie. Il y a des personnes, vous êtes dans l'illusion, vous avez peut-être, idéalisé cette relation, idéalisé cette personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, d'accord? Donc, vous êtes dans l'illusion, ou alors cette personne aussi, ici, j'ai la fidélité pour mes couples. Et c'est très puissant entre vous, c'est très fort. Et ici, vous rencontrez, donc soit vous l'avez rencontré ou vous allez rencontrer, d'accord, l'amour. Et en fait, c'est fort, c'est attractif, c'est puissant. Dites-moi quoi, j'aime vous lire, mes chéris, hein. Si vous le voulez bien, j'aime vous lire et dites-moi quoi. Ça fait plaisir à mes guides, ça me fait plaisir à moi. Ouais, on se lance. Ici, on se lance avec confiance, hein. On se lance dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation, d'accord? En tout cas, on est fort attiré et on se lance. Et ça nous fait du bien. Ici, il y a des échanges qui nous font du bien. Ici, il y a des gens qui se lancent, en fait, par rapport à une promesse d'engagement, d'accord? Ça peut être vie commune, pax, fiançailles, mariage, vous le savez. Hein. C'est des exemples que je vous donne, mais c'est tout ça. Et j'ai mes... En tout cas, ici, on passe à une étape supérieure, mes loulous d'amour. On communique, hein, sans cesse. Hein. Il faut aussi communiquer. Ici, vous êtes dans l'illusion, mais il faut dire vos ressentis. Il faut dire qu'est-ce qui ne va pas, d'accord? Moi, je vois que vous ne le dites pas. Ici, on est dans la permission, ça se passe bien, il n'y a pas de souci, hein, d'accord? On n'est pas induit en erreur en se disant c'est la bonne personne. Non, c'est vraiment, oui, c'est vraiment la bonne personne. Vous êtes avec la bonne personne et pour d'autres, vous rencontrez l'amour. Ici, il y aura un arrêt. Hein. Vous êtes dans l'illusion et vous êtes peut-être déjà séparés ou il y a une séparation qui arrive, d'accord? Vous êtes peut-être sous l'emprise de la personne, je ne sais pas. Hein. Il y a besoin d'équilibre, en tout cas. Ici, on a un parfait équilibre, d'accord? On a les deux cœurs au même niveau. On se respecte beaucoup, hein, chez mes couples. Hein. Il y a un grand respect. Ouais, waouh,
Cette personne, elle va vous trahir ou elle vous a déjà trahi. Hein. Et peut-être vous êtes dans cet état, hein, mes chéris. Restez pas comme ça. Restez pas comme ça. Voyez une amie, des amis ou alors de la famille, quelqu'un en tout cas à qui vous pouvez vous confier et puis voir un peu plus clair. Peut-être cette personne, elle pourra vous dire ce qu'elle pense et puis comme elle est à l'extérieur de la situation, voilà quoi. Et sinon, si vous avez besoin de mes services, je suis là, hein, vous m'envoyez un petit mail. Bonjour, bonjour ou bonsoir, ça dépend à quelle heure que vous me l'envoyez. Bonjour ou bonsoir Nati, voilà, je voudrais connaître vos formules, vos tarifs, et puis voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ici, l'espoir, concrétisation. Ouais, ici, vous avez l'espoir. Ici, là, pourquoi vous rencontrez la personne? Parce que vous êtes prête. Et vous êtes prête, d'accord? On a le cœur qui va être complet. Il est déjà complet, je pense. Ou sinon, ça va l'être. Et prochainement, là, je vous annonce que vous allez rencontrer quelqu'un. D'accord? On sort de l'isolement, on sort de du célibat. Pour certains et certaines. Et là, vous dites, j'ai de l'espoir. Mais la personne, elle vous a trahi. Hein. Alors, ça peut être des mensonges ou alors peut-être qu'elle était là par intérêt, que ça soit financier ou alors par rapport à votre personne. Il y en a que c'est que sexuel et puis ils sont sans scrupules, vous voyez. Puis, ils vous racontent n'importe quoi. Oui, je t'aime, I love you. Et en fait, la personne, elle n'est pas sincère. Quoi. C'est ça que je veux dire, hein, mes chéris. Message, je prends l'autre oracle. Pour mes gémeaux, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Oui, merci. Ici, on vous dit quoi? C'est certainement lui ou elle, hein, bien sûr. Hein. Ils auraient pu dire certainement lui ou elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il y en a certains, vous êtes avec, d'accord? Avec votre partenaire amoureux, ou une partenaire, ou un partenaire, et d'autres, c'est certainement lui. Là, vous voyez, il y a les petits anges au-dessus qui dansent, et puis, en fait, ils sont au-dessus. Voilà, ils font un arc. Ils sont au-dessus, c'est parce que c'est le début. C'est le début. En tout cas, il y a des échanges, d'accord? On est très attirés l'un envers l'autre. Il y a des points en commun, on s'entend bien, vous voyez? Donc, on discute, on échange, on est bien, on prend du temps, du bon temps, d'accord? Et donc, on vous dit, c'est certainement il ou elle. En tout cas, ça promet d'être positif, hein, toujours est-il. Après, restez prudente, hein, vous le savez, hein, quand c'est une nouvelle rencontre, il faut prendre le temps de se connaître, de voir si la personne, elle nous correspond. Hein. Et nous aussi, hein, si on correspond à la personne, hein, forcément, hein. Merci. Alors, ici, pardonner et apprendre à pardonner. Donc, ici, libérer le passé, mes chéris. Pourquoi? Parce qu'il y a l'avenir. Ici, il y a quelqu'un qui arrive, en fait. Hein, d'accord? Et puis, pour d'autres, vous avez besoin de pardonner à quelqu'un et d'autres de vous faire pardonner. Donc, à vous d'adapter, on est bien d'accord. Hein, et libérer surtout le passé. Il faut vivre le moment présent, là. En ce moment, il se passe quelque chose, d'accord? Vous me direz quoi, mes chéris? J'aime vous lire, ça me fait plaisir, hein? Si vous le voulez, hein, bien sûr. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ici, pour certains et certaines, il s'agit d'efforts. Alors, ça ne veut pas dire que c'est vous qui m'écoutez, ça peut être l'autre, votre autre à vous qui doit faire des efforts. En tout cas, peut-être vous avez des efforts à fournir des deux côtés. Voilà, pour que ça marche, et il faut se parler, communiquer, d'accord? Pour certains couples, voilà, pour avancer. Ici, les questions de temps, hein. Ici, y a quelque chose qui se joue en coulisses, hein. La chimie, vous voyez, la chimie, l'attraction. Ici, on est fort attiré, hein. Et puis, j'ai des couples qui s'aiment très, très fort, c'est puissant, on avait l'arbre, hein, la stabilité, la puissance. Hein. Ici, comment dire, vous ressentez une forte attraction magnétique. On l'avait, un miroir magnétique.
Mes chéris, c'est du tonnerre de feu, ça. Du tonnerre de feu. Hein. Là, ici, c'est une forte, puissante attraction. Attraction, attirance, c'est magnétique, hein, vous émanez. Hein. Sentiment romantique, ah ouais, vous vous dites des mots doux, on est tendre dans nos gestes, vous voyez, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Là, ici, on s'aime, hein, même chez mes couples, mais aussi pour les personnes qui vont rencontrer l'amour. Laissez partir en dodec. Alors, c'est marrant parce que j'ai libéré vous et laissez partir votre ex. Hein. Le temps est venu de vous purifier. Votre énergie, pourquoi? Parce qu'il faut laisser partir, parce que ce n'est pas la bonne personne. Et qu'il y a une autre personne qui vous attend tôt ou tard, d'accord? Je vais arrêter là. Et là, regardez, comme par hasard, il y a « libérez-vous », il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pourquoi? Parce que faut vous libérer pour guérir. Pour certains et certaines, il y en a qui ont guéri et vous rencontrez l'amour. Et d'autres, vous n'avez pas guéri. C'est vrai, vous le repoussez. Cette personne qui doit arriver à la, dans le futur, vous la repoussez parce que l'univers le veut aussi. Il se dit, l'univers, il voit tout. On est d'accord. Donc, en fait, si vous voulez, là, pour l'instant, vous n'êtes pas prêt et prête. Mais là, on vous demande de mettre un petit coup de pied, un gros coup de pied dans la fourmilière et d'avancer, vous voyez, et de laisser partir vos textes dans vos têtes, hein. Et d'autres se libérer du passé et puis pour avancer. Je sais que ce n'est pas évident. On a tous notre, notre parcours, vous voyez. Notre parcours, voilà. Et puis pour beaucoup de monde, en tout cas, ce n'est pas évident. Il y en a qui sont déjà passés par là et d'autres, bon, ils vont passer par là et d'autres, ça va très bien. Ça dépend, en fait, hein. Mais ici, on me dit que vous n'étiez pas compatible, voilà, vous ne vous correspondiez pas en fait, vous voyez. Et c'est comme ça en fait, hein. Mais il y a quelqu'un qui va être compatible à vous, qui arrive, donc il faut faire le travail. Mais maintenant, si vous n'êtes pas prêt et prête, prenez le temps. Parce que bon, il faut digérer, il faut comprendre ce qui nous est arrivé pour avancer, hein. On est bien d'accord. Ici, il y a des engagements, il y a des engagements. Ici, on a des engagements, vous le voyez, ou alors vie commune, cul commune, ou alors, on va vers une, on va gravir un palier, d'accord? Là, on évolue vers une étape supérieure, hein, mais nous, d'amour, mariage, fiançailles, pax, je répète, mais il y a de l'engagement dans l'air, hein. Ça sent bon, là, hein. Ça sent bon l'engagement et la fidélité. Hein. C'est ce qu'on avait, hein, vous vous souvenez. Hein. On s'est trouvé ici, hein, mes loulous d'amour. Hein. Vous méritez l'amour, mes chéris. Mais bien sûr, vous êtes dites d'être aimée. Mais bien sûr, elle vise qui? Elle vise quelqu'un, mais on ne voit pas qui. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vont faire la rencontre là prochainement d'un autre être. Et en fait, vous allez vous trouver et vous correspondre. Et maintenant, vous prenez le temps, d'accord? Mais en tout cas, on fait une rencontre, super. Je suis contente. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de Ganesh? S'il vous plaît, Ganesh, est-ce que vous avez quelque chose à dire à mes gémeaux, mes loulous d'amour? Vous m'avez manqué! La sincérité. Ici, il y avait un manque de sincérité, vous vous souvenez. C'est important, la sincérité. Et sinon, on est sincère. Chez mes couples, on est sincère l'un envers l'autre, d'accord? On s'aime. On est respectueux de l'un envers l'autre, en fait, il y a le respect. Et ici, la sincérité. Il y a quelque chose qu'on va être sincère avec soi-même. On va reconnaître ses torts pour certains et certaines. Ou peut-être l'autre va reconnaître les torts, mais il y a des discussions sincères ici, en tout cas. Et puis, il y a des relations sincères, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit que c'était dessiné et écrit, hein, votre rencontre, hein. Waouh, on va s'émanciper. On va se permettre des choses ici. Ici, ici, si vous voulez, il y a un beau travail de fait. Ici, je vais vous la lire. J'ai envie de la lire. On va s'émanciper, mes chéris. On était peut-être coincés par rapport à quelque chose. On a fait un travail. Ou sinon, c'est l'autre, hein, qui nous rend comme ça. Hein. On se permet des choses. Il y a un changement en tout cas, d'accord, il y a un changement, mais positif, hein. Alors,
on vous dit, comptez sur votre force intérieure afin d'assurer la réalisation de vos rêves. Vous allez réussir, hein. Vous allez vous réaliser ici, mes chéris. Hein. Ici, moi, j'ai de la belle rencontre et au niveau de mes couples, ici, c'est magnifique hein, ce qui se passe. Parce que, bon, j'ai des couples, il faut discuter par contre. Il faut crever l'abcès et puis certains et certaines, voire pour le pardon, parce que c'est pas, ça dépend ce que c'est. Mais en tout cas, on vous conseille toujours de pardonner, de faire un travail dessus et d'arriver à pardonner un jour. Parce que ça ne se fait pas en un jour, justement, ce n'est pas évident de pardonner, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est mieux pour vous. Voilà. Alors, la bénédiction de Ganesh peut prendre de nombreuses formes. Elle vous donne notamment la capacité de percevoir votre pouvoir personnel et vous aide à vous sentir confiant, responsable et fiable. Mais c'est vrai parce que vous émanez, hein, vous émanez de vous une confiance, vous êtes beau et belle, on vous trouve sincère. Vous voyez, il y a quelque chose qui émane de bon, de positif de vous et à l'inverse, vous attirez vers vous aussi. Vous comprenez? Alors, c'est magnifique. Alors, on vous dit, pouvoir personnel de, et... Non, attendez. Elle vous donne notamment la capacité de percevoir votre pouvoir personnel et vous aide à vous sentir confiant, responsable et fiable. L'énergie de cette carte vous apporte un sentiment d'optimisme et d'énergie positive. Les rêves et les objectifs à long terme deviennent réalité. Il y a un vœu qui se réalise ici et on va avoir un objectif ou un projet qui va se réaliser. Hein. Alors, si récemment vous vous êtes senti léthargique, vous vous souvenez, repli sur soi-même et tout ça, ou démotivé, prenez le temps de vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Mais bien sûr que vous êtes fort et forte et la confiance, vous allez la faire jaillir, mes chéris. Moi, je crois en vous. Alors, la couleur jaune est associée au chakra du plexus solaire. Je vous parle beaucoup dans mes vidéos du jaune. D'ailleurs, là, j'ai pas allumé de bougie jaune. Et en fait, ça fait jaillir votre confiance, d'accord ? Portez du jaune, mangez du jaune. Par exemple, du curry, des citrons, des bananes, du jaune, quoi. Regardez du jaune, allumez une bougie jaune. Je sais pas, mettez des coussins jaunes ou des choses comme ça, quoi. Dormez pas dans du jaune, parce que sinon vous allez mal dormir, vous allez dans l'action, c'est pas bon. Autant pour moi, mais dans la salle à manger, oui, par exemple, vous voyez. Ou alors, vous portez du jaune. Si vous n'aimez pas le jaune, vous pouvez acheter un Marcel jaune, hein, on le verra pas, ça sera en dessous de votre pull ou d'un autre t-shirt, voilà, c'est tout. Alors, on vous dit... La couleur jaune est associée au chakra plexus solaire, le troisième chakra. Ce chakra est considéré comme le centre de votre être, de votre pouvoir personnel. C'est la source de votre estime de soi. Il y en a qui vont s'estimer. Vous avez fait un magnifique travail intérieur. De votre volonté, de votre autodiscipline et de votre personnalité. Oui, parce qu'il y en a, certains et certaines, ils reprennent leur personnalité, leur pouvoir. Et d'autres, vous allez, comment dire... en fait, si vous préférez, vous reprenez confiance en vous, d'accord? Et en fait, pour certains et certaines, vous reprenez de l'estime, de la considération, parce que peut-être vous avez une personne qui, eh bien, qui vous a négligé, ou bien c'est quelqu'un qui vous a sous-estimé aussi, vous voyez, et qui vous a dit des mots durs, ou alors même par des gestes, hein. Donc, en fait, vous êtes, il y avait un manque de considération envers vous-même ou vous-même, vous vous êtes saboté, sabré, d'accord? Et donc là, non, on reprend sa personnalité, son pouvoir, d'accord? Comme il se doit et on va s'auto-discipliner. Ça veut dire quoi? Vous allez, vous le savez pour certains et certaines, pour d'autres, vous allez vous parler à vous-même. Vous allez dire, moi, je suis capable. Moi, je suis un être de lumière. Moi, je suis quelqu'un qui reprend ma force et ma confiance. Je vais réussir ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, ma vie... enfin, peu importe, hein, ça peut être dans un loisir. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez réussir. En plus, il y aura de l'estime de vous. Voilà, votre estime, elle va grandir comme il se doit, mes chéris. Il faut s'aimer d'abord. Il faut s'aimer, sinon, s'il y a un problème là-dessus, il faut faire un travail. L'univers vous aime. Alors, vous vous éveillez actuellement avec la force de votre pouvoir personnel et à votre mémoire d'âme. Votre guérison sera complète lorsque vous percevez enfin la lumière de votre âme que vous saurez
que cette lumière est votre véritable nature. Vous allez devenir un vous-même, un vrai vous, une nouvelle version de vous-même. Vraiment, cette version qui était endormie à l'intérieur de vous, éteinte. Ça vous parle, hein, n'est-ce pas? Je le sais. Et donc, mes soins, en fait, quand j'effectue les soins, les rituels, trois matinées, je l'effectue en trois matinées, si vous voulez, justement, on retire tout ce qui ne va pas, tout ce qui est néfaste, tout ce qui vous empêche. Pourquoi ? Pour, en fait, être léger et libéré. Une fois que vous êtes libéré, vous êtes vous, un vrai vous, vous, vous-même, vous comprenez ? En toute puissance, en tout pouvoir, votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir. Voilà. Alors, ici, chaque fois que vous critiquez, vous affaiblissez votre détermination. Ah, chaque fois que vous vous critiquez, oui, bah, vous sabrez, voilà. Apprendre à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes et à reconnaître votre valeur sont les qualités à la base d'un chakra solaire harmonieux. Il y avait aussi... Je sais plus. Il y avait l'équilibre, vous vous souvenez? C'est ça. Donc, en fait, moi, je pense que vous faites un travail magnifique, développement personnel, un travail d'intérieur. Et en fait, vous allez réussir. Hein. Je vous ai dit hein, tout à l'heure, vous allez monter, vous vous élevez, hein, mes chéris. Hein. Vous êtes confiant et autonome. Vous ne manquez pas d'estime de soi. Vous avez du respect pour vous-même comme pour les autres. Vous avez une identité propre et vous utilisez votre pouvoir personnel de façon responsable. Ayez confiance en vos talents et aimez-vous. N'ayez pas peur de vous exprimer avec puissance. Si votre question est en lien avec une décision à prendre, tout indique qu'il est temps de passer à l'action. Soyez direct avec vos désirs en ce moment. Tout à l'heure, j'avais tout de suite, hein, je vous l'avais dit, hein, en deuxième carte. Troisième. Ouais, j'avais de la tension ici, et ici, il y a une décision à prendre, mais pas que là, là, ici aussi. Il y a des décisions à prendre dans votre vie, d'accord? Mais comme on avait le cœur qui guérissait bientôt, vous allez guérir, d'accord? Et en fait, c'est pas que de d'accueillir l'amour, c'est aussi de vous accueillir vous-même pleinement, vous accepter, d'accord? D'ouvrir les bras et de dire « oui, je m'aime et oui, je vais me choisir d'abord moi ». D'ailleurs, il y a un petit texte en dessous de ma vidéo, si ça intéresse certains et certaines, mes loulous d'amour. Alors, ensuite, et après, c'est fini. Je vais clore la vidéo avec la parole. On avait les paroles ici, vous vous souvenez, hein, ici. À nouveau. Soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard. Encore une fois, vous vous sous-estimez, hein, mes chéris. Hein. Ici, il y a des frustrations, hein, d'accord? Ici, il y a des blocages, on ne s'accepte pas, d'accord? Pas comme, vous savez, on a tous des défauts et des défauts et des, des avantages, des... Bon, bref, ça reviendra. Mais des qualités. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous vous sous-estimez. Hein. Alors, on vous dit, soyez en permanence bienveillante, bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Oui, parce que si vous vous acceptez, si vous vous aimez, c'est ce qui émane de vous. Voilà, il y a de l'amour, du respect qui émane et forcément, les autres, du coup, ils vous voient et ils peuvent que de vous respecter. S'ils essayent de vous manquer de respect, vous ne vous laissez pas faire. Mais vous ne vous laisserez plus faire parce que vous avez changé, vous savez de quoi je parle. Vous êtes déjà un nouveau vous. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, vous adaptez. Hein. Tout mon tirage, hein, c'est comme ça, vous adaptez. Même si des fois ça m'arrive, vous savez, pendant le tirage, c'est pas évident, je ne peux pas toujours, sinon ça va durer 3 heures, je ne peux pas toujours, parler au masculin ou au féminin. Des fois, je parle au masculin et des fois, je rajoute. Hein, je dis il ou elle, vous voyez. Mais vous adaptez ce que je veux dire. Que mes tirages, c'est pour les hommes et les femmes. Peu importe l'âge aussi, hein, j'insiste. Hein. Waouh, mais c'est trop là. Quoique, ah, il y a quelque chose, elle était entre les deux, je la prends. Alors, elle s'est faufilée. Ça, c'est un message pour vous. J'en ai pas d'autre, non. Alors là, engagement. Il y a de l'engagement dans l'air. Il y a de l'engagement envers vous-même.
vous engager à vous respecter, à vous aimer et à continuer votre travail qui est magnifique. Il y a un travail de fait ici, hein, mes Gémeaux. Hein. J'en suis sûre et certaine. Mes guides, ils ne se trompent pas. Hein. Là, je le vois très bien. Ici, il y a de l'engagement aussi. On quoi qu'il arrive, que ça soit une guérison, que ça soit une guérison personnelle, ou alors une guérison par rapport au sentimental, à l'amour, ou alors une guérison dans notre vie pour le pro, quelque chose, hein, d'accord ? On évolue, d'accord ? On va atteindre un palier supérieur carrément, d'accord ? On va s'élever. Et d'autres, vous vous engagez au niveau mariage, Pax, fiançailles, vous vous souvenez. Bon, vie commune. Excusez-moi, je vais boire de l'eau. Alors, cohérence, dès que votre comportement et vos paroles, encore une fois, sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement, mes chéris. Peut-être que vous vous descendez par des mots, d'accord ? Vous savez, les mots font plus mal que des actes parfois. Et il y en a au niveau de leur tête qui se disent « je m'aime pas », ils se regardent même plus dans la glace, ils se disent « je m'aime pas, je si, je ça », vous voyez ? N'oubliez pas, il y a la beauté intérieure, n'oubliez pas, bien sûr qu'il y a la beauté extérieure, mais il y a la beauté intérieure qui est très importante. Ça, c'est de vous aimer, de vous respecter, de vous accepter. Et vous avez votre pouvoir. Chacun a des talents, d'accord ? Des talents, des dons, vous avez des capacités, vous avez des compétences, vous avez, d'accord ? Et là, on va guérir. Hein. Ici, un super formidable travail hein, de fait pour certains et certaines. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule à nouveau. Et oui, il y en a qui font qu'ils s'ancrent et d'autres, il faut faire un travail au niveau des chakras. Il y a des dérèglements au niveau des chakras et des méridiens. Alors, ici, debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Ouais, vous allez vers la nouveauté, une nouvelle version de vous-même. Mais en fait, ça, c'est la continuité de vous. Il y avait un vous avant qui sera toujours là, ça, c'est sûr. On n'efface rien du tout. Hein. C'est votre vie, hein. C'est votre personnalité, c'est tout. Hein. C'est votre parcours, hein. D'accord ? C'est votre caractère, c'est tout un ensemble de choses. On est bien d'accord. Mais il y a une nouvelle version de vous. J'aime pas dire nouvelle version, d'accord ? Mais je ne sais pas comment dire autre chose. Ou alors, moi, ce que j'appelle souvent, on le dit nouvelle version, il y a un nouveau vous. Un vrai vous. Enfin, vous émergez et enfin, vous allez jaillir tout votre pouvoir, votre lumière, votre force, votre confiance. Voilà, tout. Alors, en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez des bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Il y a quelqu'un qui va vous aider, mes chéris. La force de conviction. Votre foi et votre force, on parle beaucoup de force et de pouvoir, de conviction, ont besoin de s'enraciner, je vous ai dit, ancrer, hein. Au plus profond de vous et tout devient possible. Croyez en vous-même, mes chéris. Quand on croit en soi-même, quand on croit en l'univers, eh bien, on avance, on réussit. Il y a un vœu qui va se réaliser. Il y a d'autres personnes qui vont s'accepter. Il y a d'autres personnes qui vont guérir dans beaucoup de domaines, hein, d'accord ? Ici, vous avez l'abondance. L'abondance, mes chéris, en dodec. OK ? Voilà, voilà. Bah, écoutez, mes Gémeaux, je ne sais pas combien de temps elle dure cette vidéo. Peu importe, écoutez, je mets le temps qu'il faut. Je ne vais pas bâcler les choses parce que ça, ce n'est pas moi du tout. J'aime faire les choses comme il faut, mes Gémeaux, et vous le méritez. Et je vous envoie de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Inconditionnel. Voilà. Et toute, je vous envoie des belles énergies fortes et puissante et conviction, d'accord ? Et vous croyez en vous-même. Croyez en vous-même, n'oubliez pas. Il y a un 22 ici, hein, d'accord ? Alors, croyez en vous-même, mes chéris. Croyez en la vie, croyez en l'univers et je vous assure, faites votre maximum. Soyez dans l'action, d'accord ? De faire des choses, d'avoir des objectifs dans la vie et des projets et vos vœux vont se réaliser, mes chéris. De toute façon, il y a un coup de pouce de l'univers et de sa super équipe. Nati, elle vous fait de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. I love you. Bisous, mes Gémeaux d'amour. À bientôt.